regardez. Touche pas à ça, vieux. C'est trop dangereux ici. Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi. À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien comme... Arkham City va partir en fumée! Va s'arranger pour que tu mords, fleur dure! Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Tes sales pattes de là, tu veux. Debout, Monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été une chambre... C'est milliardaire, Mickey. Les millionnaires sont beaucoup moins dépressés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des jets de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la réouverture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité et les quotas. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. C'est moi qui suis à la tête d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond mépris de la loi, de la société et de vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartenez plus à la société pour laquelle vous avez montré tant d'irrespect. Vous avez été séparé du brave peuple de Gotham. En commettant les actions qui ont entraîné votre détention ici, vous avez perdu le droit à une vie soi-disant ordinaire.
votez, vous suivrez les règles d'Arkham City à la main. Ces règles seront la garantie de votre bien-être. Règle numéro 1. N'approchez pas du mur de sécurité qui entoure le bâtiment. Toute tentative d'approche sera considérée comme une tentative d'évasion et sera réprimée par l'usage de la force. Règle numéro 2. Tous les prisonniers doivent se soumettre à un examen psychiatrique complet lorsqu'on leur demande. Tout refus d'obtempérer sera puni par l'usage de la force, ainsi qu'un examen psychiatrique de niveau 9-10. Règle numéro 3. Les équipes de sécurité Tiger ont toute autorité sur Arkham City. Si pour quelque raison que ce soit un agent Tiger s'approche de vous, vous donne un ordre, vous devez immédiatement vous mettre à genoux et poser les deux mains sur la nuque. Tout refus d'adopter... Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez que vous entendez... ...et sera très sévèrement... Les règles sont obligatoires. Et par les pouvoirs qui vous sont gérés, les habitants de la ville de Gotham, légitime. Bienvenue à Arkham City, Wade. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wade? On a tué son majordome? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wade. J'ai dit à terre, allez! Qu'est-ce qu'on attend, Wade? Fil A, allez! Nous serons la garantie de votre bien-être. Personne n'arrête Black Mask! Le pingouin a mis un prix sur ta tête. Vous deux, hors du chemin. Wade, venez donc par ici. Et maintenant, dérange. Oh, Wade. Ah, t'es sur ta tête. Allez! Ben! On se bouge, prisonnier! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je m'en réussisse. Bruce Wayne? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de me faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. Majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Allez, ouvrez cette sacrée porte.
Vous allez me le payer, Wayne. Je ne peux pas contacter Alfred d'ici. Je dois d'abord grimper. Alfred, vous avez les coordonnées ? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. Je peux sûrement sauter jusque sur le bâtiment d'Ace Chemical. Je pourrais grimper depuis ce point. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe ? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce ? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Est-il arrivé, monsieur ? Thank you.
Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. Gotham, ici Vicky Vale. Plus tôt dans la soirée, nous vous avons montré ces terribles images de l'arrestation de Bruce Wayne. À toutes les unités, on a confirmation que Bruce Wayne a été arrêté par des gardes Tiger et amené à Arkham City. Ici Gordon. Dans le but d'éviter que la situation se transforme en cauchemar juridique, je veux que tous les membres du GCP... À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger ? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder ? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Chevalier Noir, tu as trouvé ça facile ? C'est normal. Ce n'était qu'un avant-goût des choses à venir. Tu vas regretter d'avoir joué les plus malins. Tu vas résoudre mes énigmes et récupérer mes trophées. Tu n'en as peut-être pas envie, mais tu le dois. C'est une question de vie ou de mort. Double Face, tu vas devoir frapper plus fort. Ça se fait qu'on soit là gelé, alors qu'il se passe des trucs intéressants là-dedans. Fais ce que t'as dit, Double Face. Ouais, lui donne pas l'occasion de jouer à pire. Je l'avais dit, c'est Batman, on le chope. Déjà commencé. Ah,
Trop tard, crétin. L'audience a commencé. Les femmes, Harvey. Hey, t'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volé. Personne. Oh, je suis désolée. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi, et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce vaut ce que tu devrais. Procès commence. Silence dans la salle. Silence. Silence. Si je pars, Catwoman mourra. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. De nouvelles têtes. Aujourd'hui, nous allons proposer à chacun d'entre vous... Il suffit d'éliminer le type qui alarme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Rejoignez-nous pour créer une nouvelle porte à Arkham City. Et prendre le contrôle de ce lieu. Quand le clou... Nous dirigerons Arkham City. Ah, vous pouvez aussi partir maintenant. Et nous nous traquons sans relâche pour tous vous tuer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Notre ami Batman est arrivé. Chopez-le et coupez-le en deux. Ça sent comme de la condamnation à mort, Batman. Objection! Rejeté. Pile ou face, joli minou. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Pas celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey. Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre. Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey. Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina?
Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Ah, te dire, cher Matou, qui va tuer ton gentil Matou? Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Passe! À très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Allez, libère-moi! Bats-moi comme un homme! Je dois analyser la scène du crime pour retrouver la balle. Ça me permettra de savoir d'où elle a été tirée. Si on te coince pas, le Joker le fera. La balle est donc entrée par cette fenêtre. Où s'est-elle logée ? Je dois analyser la scène du crime pour retrouver la balle. Ça me permettra de savoir d'où elle a été tirée.
trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Prendra effet dans 10 heures. Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman? Pourquoi on est encore là? On devrait plutôt se tirer, non? Tu crois? Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, il peut pas sortir et on est à l'abri. Vraiment? Et qu'est-ce qui l'empêche de faire le tour? Y'a une autre sortie? Ouais. Double Face me l'a montré. Y'a un sous-sol, y'a plein de cellules, y'a même un mec dedans. T'avais pas songé à en parler plus tôt? Batman sort de là! On a choisi le mauvais camp. Ah, je suis sûr que le patron va s'en tirer. Batman n'est qu'un petit embêtement. Ouais, il va se ressaisir. T'avais raison! Batman est là! On va te faire du mal. Sûrement une de ces tarés de l'église. Rien que des grenouilles de bénitier, cela. Espérons que le Joker la cogne sévère. Il y a de grandes chances. Ça commence à faire un mal qu'il a plus le sourire maintenant. Est-ce que tu crois que les rumeurs sont vraies? Quoi? Carly était... Qu'est-ce que Batman fout ici? Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien. Est-ce que quelqu'un... Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Que ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant.
Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais... c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman. Reste où tu... Il est parti. Il a disparu. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il va nous buter. Batman, tu m'entends? Si tu sens quoi que ce soit, ces gens mourront tous! Tu me lâcheras pas! Oh non, je vais crever ici. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Quoi? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je ne vois pas. Il peut venir de partout. Reste calme. Batman, tu m'entends? Fous le camp d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette sale garce se retrouve avec un trou à la place de la tête. Ouais, lâche-toi un peu. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ne dites rien. Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Maintenant. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Bat. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Il va nous buter. Batman, tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, ces gens mourront tous. Il me lâchera pas. Oh non. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Tu le vois? Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Réponds! Merde, cet enfoiré t'a eu! Approche pas, Batman! Ça va, ne dites rien. Il a un otage.
Je dois le prendre à revers sans me faire repérer. Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. La pièce est sécurisée. Tout va bien se passer. Dieu merci. Hé, hey, Batman! Merci du coup de main! Je vais vous libérer, Doc. Merci. Le feu est parti du clocher. Il faut que je grimpe jusque-là. Pas ces animaux. Il va falloir qu'on boucle cet endroit. À tous les toubibs, vérifiez les stocks. Voyez s'il manque quelque chose. Et pour Stacy, alors, est-ce que quelqu'un va la chercher? Je sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau. Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui. Très bien, tout le monde a compris? Chargez-vous des blessés. Empêchez les ordures d'entrer. On est une équipe, faut pas que ça... J'arrive pas à croire que Sharp ait perdu le contrôle de cet endroit. Comment Strange a pu devenir aussi puissant? J'avais jamais entendu parler de lui avant. Voilà l'arme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance. Non, ils auraient dû rentrer il y a des heures. Je sais pas. Ils connaissent les règles. Je les répète sans arrêt. Revenez ici avant qu'il fasse noir. C'est peut-être les gars de double face. Bon sang, pourquoi ils ont rien écouté? C'est le seul endroit qui soit sûr. On reste ici et ces monstres nous laissent tranquilles. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Je sais, je sais. Pourquoi ils sont sortis? Pour manger, je pense. Ils auraient dû attendre. Ils avaient faim. Merde, on a tous faim. J'ai pas mangé depuis des jours. On va tous crever ici. Ici au moins on est à l'abri.
Il va crever, c'est sûr. On est mort si on y retourne. Et t'as vu ce qui est arrivé quand Batman s'est battu? Sur tous les blaireaux qui viendront ici. Ok. Une minute. Le Joker a pas dit qu'il acceptait tout le monde. C'est vrai, mais aujourd'hui, on bute tout le monde. Hier, on les a mis dans la pièce de derrière et on leur a cramé la peau. Oui, tout est vrai. Ouais, mais des fois, le Joker laisse n'importe qui le rejoindre. C'est toujours intéressant. Intéressant. C'est ton jeu, ouais. T'as de la chance de nous avoir rejoints au bon moment. Faut croire que oui. Eh ben, on se gèle ici. N'en parle pas. Tu te souviens d'avoir vu des hivers aussi froids? Tu sais, quand t'étais gamin? Non, ça empire d'année en année. Je pense que c'est à cause de Freeze. Il aime le froid, il paraît. C'est lui qui doit refroidir la planète. C'est sûrement pas moi et ma voiture, je te le dis, vieux. Ouais, il a sûrement congelé sa femme aussi. Eh, dis-moi, tu trouves qu'elle a l'air bien? Dans cet endroit, elles ont toutes l'air bien. Écoutez-moi, inspecteur sombre crétin, et ouvrez bien grand vos oreilles. Comme vous le savez, Monsieur J est... Il est plus lui-même. Et la dernière chose dont il ait besoin, c'est un soi-disant super-héros qui est l'embêté. Alfred, je dois parvenir à entrer dans la scierie Sionis. Pourquoi pas la porte de devant, monsieur? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ça semblait trop facile. Voyons un peu, si tous les autres passages sont bloqués, le seul moyen d'entrer est de... Non, c'est du suicide. La cheminée principale. D'accord. C'est compris? Parfait.
vapeur de la chaudière va me faire bouillir vivant. Il faut que j'arrive à refroidir les braises. Ouais, le Joker fait croire qu'il est malade. Et puis BAM ! Surprise ! Je sais pas, mec. Il a l'air vraiment mal.